Salut YouTube, on est de retour à Rétrograde, on continue à faire des bus. Si toi aussi tu aimes les bus, tu prends les bus, peut-être que tu construis des bus d'ailleurs, ou que tu en conduis, hein, dis-le moi dans les commentaires, voilà. Est-ce que tu peux renommer un habitant? Tout à fait, on peut presque tout renommer dans City Skyline. Et un habitant, c'est complètement possible, par exemple là, Brittany Adams. Eh bien, elle peut tout à fait s'appeler Tatiana Boulenkova, par exemple. Eh bien, elle s'appelle désormais Tatiana Boulenkova. Et ça, c'est beau. Ok. Eh bien, allez, feu. On va continuer ces lignes de bus de ces morts. Alors, les lignes de bus. On va faire une ligne de bus dans le quartier Yuri Gagarin. Ah oui, c'est ça. Il faut que je fasse une route qui parte de là. Aussi pour relier directement. Pour ensuite que les deux lignes ici puissent également être reliées. Oui, voilà. Très bien. Donc, cette ligne, elle va partir d'ici. Elle va aller là. Puis, elle viendra ici. Elle fait le tour. Elle va passer quand même... elle reste sur la périphérie, hein, globalement, cette route. Cette ligne, pardon. Là, elle fait une petite incursion ici. Puis une là. Et voilà. Encore une ligne de fête, mais incroyable. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Je ne sais pas, je ne sais plus. Et on va la mettre en rose. Voilà. Ligne rose, c'est dans le quartier Yuri Gagarin. Tu peux donner mon nom à un passant, mais tout à fait, on peut appeler quelqu'un Monsieur Bounties. Tout à fait. Alors le problème, c'est que si je me lance là-dedans, il y a 17 255 personnes. Vous n'êtes pas encore 17 000 là, sur le chat. Hein. À 17 000 près, on est là-dessus, quoi. Et après, après, pour les retrouver, honnêtement, ça va être galère. Mais on peut, mais c'est tout à fait faisable en soi. Attendez, alors là, la ligne va partir comme ça. Là, ça vient ici. Into. Là, ici, on a un collège. Le collège, il est où? Il est là. On fait venir. Là, on a une autre école. Est-ce que là, on peut ressortir? Oui, là, on peut ressortir. Ah non, on peut pas ressortir. Merde. Bah rip. Ouais, bah ça va faire ça, sinon c'est bien. Voilà, là, la ligne, elle est terminée. Cette ligne, on va la mettre en vert. Rien me dire. Ouais, mais ça, j'avais commencé à le faire déjà et on le fera un peu après. En fait, quand l'urbanisme de base sera terminé, on renommera tout. On fera tout à ce moment-là, je pense. C'est l'idée de filer nos noms passants pour venir pourrir la soirée en vrai. Merci beaucoup, je crois. Allez, la dernière ligne de quartier. On va la faire venir ici. Bien sûr, elle va passer par le parc. Et oui. Donc là, ça va venir ici. Ça ressort là. Ça vient là. Puis ici, tout là. Oh, c'est incroyable. Je suis peut-être pas bon en urbanisme, mais en ligne de bus, franchement, je trouve que je suis pas trop dégueu, quoi. Ok, ça c'est la ligne de bus 6. On va la mettre en orange. Bien. Donc ça, c'est fait. Combien on a de bus en activité? Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Il manque de... pas assez d'employés instruits. Université. J'en ai pas. Mais non. Comment ça, j'ai pas d'université? Ah bah oui, ça va pas du tout, ça. Il nous faudrait quand même une petite fac. Alors, on fera un quartier dédié exclusivement au campus, bien sûr. Bon, on va faire une fac... Alors, attends, là, on a des arrêts de bus. Oui, bof. On a des arrêts de bus. On va la faire là, la fac. À côté du cimetière? Non, peut-être pas. On va la faire ici. Voilà, là, il y a une fac. Et elle porte vachement loin. Alors, elle atteint pas ce quartier là, par contre, ça c'est dommage. C'est-à-dire qu'il me faudrait une deuxième université. Ce qui est bien, mais pas top. Allez, on va la faire quand même. On n'a pas peur. Deux facs. L'instruction à Rétrograde, c'est extrêmement important. C'est pas ligne pour les lignes de bus centrales. Si, c'est ce que je vais faire, Ruvon, justement. J'attends de voir déjà en fait le nombre de bus que ça me prend. Enfin, que ça va me créer. Et ensuite, justement, je vais faire les lignes, ouais. Les lignes de transfert, on appelait ça.
Ici, Sorange, bien joué, l'hommage au modem, leur couleur couplée à l'ombre d'adhérents. Oh, c'est Cladus qui va apprécier. Non, bien sûr, bien sûr. Bisous, Cladus. On parlera pas de ton passé, t'inquiète. Non, mais oui, c'est un hommage à Marielle de Sarnez. RIP. Bon, alors là, il faut que je fasse ma... Ouais. Je vais faire la nouvelle route. La nouvelle route de bus. Que du coup, je suis pas obligé de faire énorme non plus. Parce que je fais passer que des bus. Donc à la rigueur, en fait, je peux même faire une route normale. Oh, allez, on va faire une double voie quand même. Je fais une route normale et je la réserve juste au bus, en fait. On va faire ça. Qu'elle va partir comme ça. C'est peut-être même trop large d'ailleurs. J'aurais peut-être pas dû faire une deux fois deux voies, mais bon. Tant pis. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Et donc maintenant, ici je vais autoriser quoi? Restriction de véhicule. Comment je fais pour prendre l'intégralité? Ah non, c'est pas ça, attends. Non, c'est pas celui-là. Merde, c'est lequel pour les restrictions de véhicules? Attends, restrictions de véhicules, oui, d'accord. Mais non, je vais pas autoriser tous les véhicules. Bah. Appliquer les restrictions de véhicules à tous les segments. Oui, mais d'accord, mais je peux pas aller configurer les restrictions. C'est réservé au bus 2x2, c'est peut-être un peu large, oui. Oui, mais nous, on fait tout en grand, en rétrograde. Non, c'est vrai que c'est trop large. Ah, mais putain, mais il fallait zoomer, quel con. Alors, attends, ça, c'est pour... Bah, du coup, on peut laisser que les transports en commun. Attends, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le service, ça. Alors, on va quand même l'ouvrir au service. C'est quoi, ça? C'est les taxis? Des taxis, mais j'ai pas de taxi de toute façon, donc... Ok. Logiquement, ici, on est bien. Et on devrait avoir uniquement les bus qui passeront plus tard. Maintenant, il va s'agir de faire que ces bus, justement, soient reliés entre eux. Donc, on va refaire une ligne. Sauf que je peux pas le faire au même... C'est là où du coup j'aurais eu intérêt à faire une gare routière. Ah si, c'est bon. Donc là voilà, là ça va partir ici. En fait, ça va juste faire ce tour là. On va voir ce que ça donne un peu comme ça. Bon, celle-ci elle est dégueu, mais vous voyez l'idée quoi. Après là ça fait le tour, il n'y a pas d'arrêt de toute façon, donc it's ok. Juste qu'il a fait un bon stream politique ce week-end, j'ai adoré. C'est vrai? Ah bah c'est très très cool ça. Il m'en a parlé, ouais. Parce que moi j'étais pas là, j'ai pas pu regarder, mais apparemment c'était. Ouais, lui a pris beaucoup de plaisir aussi à faire ça. Et qu'aucun chauffard ne m'a emprunté parce que respecter les règles pour les faibles, exactement. On a des bonhommes ici. Tous les masculins fragiles là. Ouais, non, un bonhomme ça fait ça. Alors. Donc là c'est bon, là ça commence à prendre des bus. Attends, ils sont garés n'importe comment par contre là. Donc eux, attends, si je me trompe pas. Ah non, c'est eux. Ah voilà. Ah bah voilà, ça libère déjà du trafic. Regardez, tous ceux-là, ceux qui sont à cet arrêt là. Et bah ce qu'ils veulent faire. Hein? Bon bah lui on sait pas ce qu'il veut faire du coup mais. Travis Scott. Bon on sait pas non plus. Mais en vrai s'il est à cet arrêt là, c'est qu'il veut aller là.
Donc c'est bon, il faut juste que j'aimerais bien voir ça en fait. Alors du coup, il faudrait que je fasse d'autres restrictions de véhicules. Mais je peux pas. Alors déjà, le trafic maintenant est devenu hyper fluide ici. Plaisir. Mais on n'a plus de problème de trafic en fait. Ah si encore, mais ouais là. Bon si là, ça, là c'est un peu chaud. Mais en vrai, ça va, hein. Franchement, ça va. Là, il n'y a pas assez de consommateurs. Non, pas assez d'employés. Oh là là, eh ben, faut le temps que ça se fasse. Toujours une ville d'inspiration soviétique, car ils ont tous des noms de Yankees, les sujets. Oui, mais à la base, ils sont américains. C'est une ville américaine, mais qui a découvert, voilà, qui a découvert les joies de la révolution d'octobre. C'est quoi ce rond-point? Les gens vont dans les deux sens. Quoi? Où ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais pourquoi il y a des gens? Mais non! Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me faut du 6 voies. Mais non! Oh merci! Là, il y a des arbres, hein. Ben oui! Oh! Eh ben voilà! Allez hop, demi-tour. Merci de votre vigilance, monsieur Ruban. Aucun bus sur ta route réservée. Non, mais ça va arriver. En fait, les bus sont pas encore. Ils sont pas encore arrivés là. Les bus de la ligne. Attendez, on va regarder. C'est la ligne quoi? C'est laquelle? C'est celle-là. C'est la 7. Ah, on peut choisir. Ah, mais on change le modèle de bus. Attendez, on va se mettre des trucs un peu soviets. Oh, ben voilà. Mais oui. Ah, c'est quand même plus, ça va quand même être plus joli. Bref, je voulais voir quoi? Je sais plus ce que je voulais voir. Pour l'instant, il n'y a qu'un véhicule. Ah. Oh putain, c'est le bordel. Pourquoi c'est le bordel comme ça? Ici, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, vous avez la priorité, bande de teubés. C'est pas une route que vous prenez. Régler ta route devant l'arrêt de bus pour que chaque voie ne mène qu'à une route. Là, c'est le bordel. Ici, tu veux dire? Ouais. Vrai que je l'ai pas fait pour tous. Alors, attends. Déjà, ça, c'est les voies de service. Donc ça, bon, bah, ils ok. Ça, il n'y a pas de problème. Ici, c'est là. Ici, c'est là. Ok. Donc, ça implique que là, c'est la même. Ok, là c'est bon. Là ça m'a recréé une intersection. Oh ça, putain, ça m'en a créé partout. Au secours. Oh putain, c'est fluide. Bon là ça l'est plus. Mais ah oui. Donc là on a nos intersections. Ok, là on a nos intersections ici. Alors ici on l'a plus, ça a sauté forcément. Bon, en vrai là les bus, ça va pas trop passer, mais admettons. Alors, est-ce qu'on a un bus, s'il vous plaît? Comment ça, il se gare? Attendez, attendez, attendez. Pop, hop, 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 hop. No parking tolérés, là. Déjà, vous pouvez pas rouler jusqu'ici, logiquement. Donc, c'est un peu con. Dites donc. Qu'est-ce que... Mais on est en pop tree anarchy off. Pourquoi j'ai un arbre au milieu de la route? Mais enfin... Oh putain. Il passait dans l'arbre, rien à foutre l'ambulance là. Ok. Ok, là c'est bon. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas un grand succès cette route, hein. Mais bon. Ça va se régler.
C'est la route qui mène tout droit en Ligue 2. Oh, au secours! Eh, dis donc, les Strasbourgeois, là, vous faites un peu les malins, je trouve, maintenant. Mais début de saison, vous étiez pas. Hein? Bon, alors attends, putain, mais comment je vais régler ça, là? Mais alors là, c'est l'anarchie. Ah, mais je sais. Mais oui, j'aurais pas dû faire d'usine ici, en fait. Nous, usine here. Ici, terrain vague. Hein. Terrain vague complet. Hein. Parce que là, ça fout le bordel. On va faire que du service public ici, en fait. Bon, alors là, putain, il y a un embouteillage depuis ici. Bon, ils arrivent les bus ou qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah, un bus. Oh, oui, 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 un bus a pris la voie réservée. Oh, oh, attendez, attendez, faut que je fasse pause parce que regardez ce magnifique bus russe. Ah, oh, il est beau. Hein. Franchement, il est stylé. Oh là là, incroyable. La modernité à rétrograde. Oh, il a pris la bonne route, eh. Vous voyez, franchement, même pour un seul bus, ça valait le coup. T'as combien d'habitants? J'en ai 17 421, là. J'en ai perdu 20. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais je vais refaire des habitations ici. Est-ce qu'on a de la flotte, ici? Il y a... Ce qui nous permettra de faire sauter les pylônes, et ça nous fera économiser. Alors, pas des masses, mais... Un petit peu quand même. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des petits magasins. On va se faire des petits magasins quand même. Ouais. Ah, là aussi c'est le bordel. Oh putain, tous les bus. Ah. On a peut-être un peu forcé sur les bus là. Alors attends, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Bon, va falloir qu'on parte sur du métro bientôt, les amis, en tout cas. Nuke, ça devrait régler le problème, j'avoue. C'est pas encore le malin, car 6 points sur le barragiste qui est Nantes, c'est insuffisant. Ouais, mais vu la forme de Nantes en ce moment, ça devrait aller, je crois. Les habitants perdus sont morts en attendant le bus. Est-ce qu'on a des morts à l'arrêt de bus? Ça serait rigolo qu'il y ait des morts d'ennui. Oh, regardez, putain, mais oh là là, c'est pas très Covid safe, hein. On va pas se le cacher, c'est pas... Non. Là, la distanciation sociale, si vous voulez, c'est... Non, c'est pas la mode. Quel bordel. Quel bordel. Alors, parlons-en de ces voitures garées avec le cul. Hein, bien sûr. Mais barrez-vous les deux, là. Pourquoi ils prennent... Mais pourquoi ils prennent ma voie de bus? Bus-taxi. À quel moment un camion minier, c'est un bus-taxi? Mon corbillard, admettons. Je comprends pas le truc, en fait. Pourquoi? Pourquoi? Why? Et surtout pourquoi ça... Ah mais parce que... D'accord. Ah, putain, quelle vie. Donc il faut que je fasse toute la route. Hein? Mais quel enfer! Oh là là! C'est terrible. Là, ok. Et donc là. Ok. Ensuite, est-ce qu'on a une autre intersection quelque part? Ici. Pas simple, hein. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, ça a aidé.
Pépard régler la route, il y a peut-être un bug. Non mais du coup c'est bon. On dirait du seul arrêt de bus de Corée du Nord. J'avoue. Oh, mais oui. Ah mais oui, mais c'est le lieu idéal. Bien sûr. C'est le lieu idéal pour placer des petits éléments de propagande. Bon sang, mais c'est bien sûr. Bon, alors là, on voit rien parce que y a un peu de pollution. Mais je leur mets un petit panneau Marx-Lénine, là. On le voit, là, regardez. On le voit plus. Ah ouais, mais le bus, il emmène personne, en fait. À l'aide. Petit panneau. Petit message très discret. Ça apporte de l'ombre, en plus. C'est très pratique. Par contre, le bus, faut sortir les doigts, là. Ça va pas du tout. Elles sont où, mes lignes de bus? Elles sont là. Là, c'est la ligne... Alors attends, on a dit que ici, ça c'est la ligne bleue, la ligne de bus 7. Ok, où est-ce que j'augmente le budget sur la ligne 7? Comment je peux faire pour améliorer le budget directement via cet onglet? Ça c'est bus 7, ça voilà. Détail de la ligne. Ok, et voilà, le budget on augmente. 31, 35, allez on met, enfin, ça va coûter cher mais on va se mettre une trentaine de bus, allez. Là il faut désengorger quoi. Il faut désengorger impérativement. Alors, ça se voit pas forcément mais on a déjà moins de piétons. Non mais les mecs ils jouent avec leur vie, c'est fou. Ils vont où globalement les piétons là? Alors attends, lui se rend à pied jusque là. Donc lui il a pas envie de prendre de voiture. Ok. Donc ça veut dire que cette ligne là de bus, faut que j'arrive à la relier ici également. Ce qui veut dire un petit arrêt là. Qui vient ici. Qui vient là. Qui va faire son petit demi-tour devant l'école. Into le commissariat, puis les magasins, et bah retour quoi. Ok. Un petit élément, oui, tout à fait. Un bel écran pour la propagande, yes. Ah, la ligne 7, c'est de goulag, crois-moi, et oui, ça se disait souvent à rétrograde. Ashton Harvey, j'imagine un Américain perdu en Russie. C'est lui. C'est lui, bah il sort du goulag aussi justement, il était pris pour espionnage. Putain, c'est réglé. Donc là, c'est bon. Mais c'est là, je comprends pas pourquoi il bug. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais? Il est fou. Qu'est-ce qui bloque, là? Là, c'est les camions qui bloquent. Ah oui, ok. Donc attends, ça veut dire que... Il faut que ici... Ah ouais, mais si je force là, les bus, ils vont pas pouvoir bouger. Je vais regarder. Je vais voir si les bus peuvent bouger ou pas. Ah, là, c'est le Dawa. En fait, mon truc, il est mon BO pour les entrées-sorties et tout, il est bien. Mais vraiment en early game, quoi. Le reste... Mais arrêtez de vous garer ici, enfin! Hop, interdit de te garer, tiens, chè! Hop, on se gare pas sur les grandes avenues de la victoire. Tu l'auras cherché. Donc là, bien sûr, on ne se gare pas non plus, hein. Était-il besoin de le préciser? Peut-être. Là, y a rien. Là, y a rien. Ici, est-ce qu'on peut se garer? Pff, ouais, ici, techniquement, on peut se garer. Alors là, on peut pas, par contre. Là non plus. Et du coup, ici, c'est dégueulasse. La deuxième touche d'Arbichon. Ah, très bien. Euh...
Je te réponds après, Ruvon. Je te réponds après sans souci. T'inquiète. Donc là, les bus. Ils viennent d'où, ces bus, là? Ils viennent de là-bas, je pense. Ok, c'est ceux qui viennent intégrer la ligne 7, en fait. Oh, mais il y a un feu! Bon, alors, le métro, ça pourrait donner quoi, là? Ça coûte cher, mais bon. La station de métro comme ça, non. Je préfère une souterraine. Station de métro aérien. Les souterraines, ça coûte 15 000 la station. Oh la vache. Après, c'est vrai qu'ici, une petite station, à côté de l'arrêt de bus. Allez, l'histoire retiendra que la première station de métro de Rétrograde aura été construite dans le quartier Stakhanov pour les ouvriers, toujours. Voilà, allez, une. Alors là, ça va être l'enfer, parce que faut que j'en fasse une également ici. Il y a un arrêt de bus juste à côté. Ok. Alors au début, ça va sembler à rien du tout. On les changera très probablement à un moment. Parce qu'on peut pas faire l'aller-retour, donc c'est tac, tac, tac. Ok. Donc là, on va en caler une, mais j'ai pas la place. Si, ça va le faire. Une ici. On en fait une également là. Une là. Et on en fait une quand même ici, bien sûr. Dans le quartier historique. Puis nos fonds quand même. Pente trop inclinée. Ah. Ok. Bon, ça c'est bon. Putain, mais c'est nouveau, avant il n'y avait pas besoin de faire des rails de métro. Si ? Il y avait besoin ? Je sais plus. Donc, les rails. Mais attends, mais what the fuck ? Ah si, faut que je fasse du souterrain. Ah oui, c'est là où je vais voir le souterrain, du coup. On est à moins 12 mètres. Donc là, celle-ci... Elle va passer sous l'eau. Pas assez d'argent. Oh la vache! Oh, ça coûte un pognon de dingue ce truc! Ah oui, quand même! Surpris là! Allez voir, mais soulever le pied à 2 mètres de haut, qui est encore capable à son âge, moi ça compte pas étant plus vieux que le modèle. Ah, moi je pourrais jamais, j'arrive déjà pas à le lever à 1 mètre, c'est mort. Le bien connu, métro sous la Manche, exactement, c'est celui-ci. Non mais le pognon quoi, 13 000 balles, 45 000 balles pour ça. J'ai peut-être été un peu ambitieux sur la taille du truc. Ouais, c'est possible. On va y aller progressivement, hein, bien sûr. Oui. Bon, on va attendre. Hein. On va attendre un peu de se refaire la cerise. Donc là, ça bouchonne sur l'autoroute, donc. Quel enfer. Quel enfer. Il nous faut encore des habitations. On va en refaire là quand même. Eux ils vont pas kiffer qu'il y ait des bus qui passent, mais bon tant pis. C'est pas grave, c'est un détail. C'est un détail de l'histoire. À côté du cimetière et tout. Oh la vue dégueu quoi.
C'est toujours ambitieux que tu parles de taille. Trouve un partenariat avec une marque de téléphone portable, parce que entre toi et ton téléphone et Schnabi qui ne répond pas à ses SMS car téléphone foutu, ça peut plus durer. Ah oui, bah c'est. Écoutez, si vous travaillez chez quelqu'un qui fabrique des téléphones portables, la Bourgundisport, est preneuse hein, d'un partenariat. C'est pas du tout intéressé pour nous, personnellement, bien sûr. C'est parce qu'on aime déjà votre marque et qu'on veut la développer. Les valeurs de la marque, hein, bien sûr. Ouais, en ce moment, c'est un peu le téléphone gate de tous les côtés, là. Putain, mais les incendies, au secours! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Brûlé. Ah bah oui. Oui, je vois bien, oui. Et détruit. Donc en fait, les pompiers, qu'est-ce que vous branlez? Ouais, enfin, vous faites comme vous pouvez, tu me diras, mais... Ah oui, mais trop tard. Allez, dis-moi que ça va le faire. Viens éteindre le feu, mon petit. Dans cette usine de zinc. Je clique pour faire la promo. Yes, ça marche. Bon, un seul, ça suffit. Alors, il y a le deuxième qui arrive. Il y a les renforts. Attends, ils sont en incapacité d'éteindre un incendie, là ? Nah, c'est bon. Hein ? C'est bon, ça va, ça remarche. Donc là, les bus, ça circule tranquillou. Le parc, il y a du monde, bien sûr qu'il y a du monde. Ici, il n'y a personne. Ok. Ça brûle bien le zinc, oui, grave. Je pensais pas autant, mais... Donc là, sur le moins 12 mètres... Ça me coûte combien? 41 000. Quelle vie. Ouais, ça va partir comme ça. Il manque plus que 13 000. Okay. Enfin, ça coûte que 13 000. J'ai bien dit que. Il nous faut des magasins. Il va falloir s'agrandir. Là, il va falloir faire un truc ici. Ou là, là, directement. Tant pis pour les terres fertiles. À mon avis, c'est pas de ça dont on va avoir besoin maintenant. On va commencer un petit truc un peu stylé. C'est moche. Oh, c'est dégueu. Pratique ce machin. Ok, c'est un peu mieux déjà. Bon, on a la route principale. C'est déjà ça. Petite question. Comment tu fais une route pour qu'elle passe au-dessus de l'autoroute? Alors, en fait, avec les touches page up, page down... En fait, tu augmentes le niveau, tu vois, donc la page up, tu augmentes la hauteur, et donc du coup, ensuite, tu construis, tu vois, ensuite, tu construis un peu en hauteur, du coup, et ça peut passer au-dessus tant qu'il n'y a pas un pylône, voilà, j'ai pas assez dessous, mais voilà, tu vois, et avec page down, là, tu passes sous le niveau de la terre, tu vois. Et après, tu peux choisir la hauteur que tu veux avec le petit truc en bas à gauche, là, tu vois, le niveau d'élévation, plus tu augmentes, plus le truc est haut, plus ça augmente vite. Genre là, ça fait 12 mètres d'un coup, alors que le niveau là, ça fait que 3 mètres, je crois. Voilà, tu vois. Voilà. J'ai réussi à caser une nouvelle personne de la famille dans mon sens des sous. Ah, très bien, Galros. C'est très cool, ça. Très, très cool. Bonsoir, Brest. Comment vas-tu? Bon, alors. Ouais. C'est moche, mais on va dire que ça passe. On va faire du droit, là. Là j'ai besoin de... Là, c'est du nombre dont j'ai besoin. Enfin, c'est du nombre. C'est de la place, en tout cas. Putain, c'est parfaitement aligné. Ah, mais c'est pile sur le... Ouais.
Dommage. T'as résolu les bouchons du rond-point. Oui, ici, is ok. Voilà, ça ralentit encore un peu, mais là, c'est bon. Par contre, c'est là... Non, bah ça va, en fait, c'est bon, c'est devenu fluide. Grâce au bus. Il y a presque... Alors, tout est relatif, mais... Putain, par contre, embouteillage de bus, là. Hein? Pourquoi il y a autant de bus? Mais il y a personne, barrez-vous. Quoi? Ligne 3. 30 véhicules. Oh, je me suis gouré que j'ai augmenté le... Le nombre de bus, en fait. Merde. Ah bah oui, c'était pas le bon. Vous auriez pu me le dire. Eh bien, la forme reste tout à fait. Même quand l'autre l'a su la cassette prendre les vacances. Merci, mon hipote. Ah, mais Wisebot, c'est un vrai hipote. Hein. Ils sont spécialement parlé de la place de la femme dans le foot. En tout cas, c'est autant galère pour une femme qui s'exprime. Non, non, mais c'est très très bien, Galerose. Très très bonne initiative. Je... Bah tu... Tu sais, tu connais mes valeurs là-dessus, mais... très très bien. Donc là, c'est bon. Voilà, bon, là, et embouteillage ici, mais... Il faut bien qu'il y en ait quand même un moment, ça reste une grande ville, c'est pas non plus une ville de province, quoi. Enfin, une ville de... C'est pas une mégalopole. Alors, le problème, c'est l'autoroute. Là, maintenant, le problème de trafic, c'est là, quoi. Voilà. Petit souci. Ici. Donc là, ça bloque quand ça veut changer de voie. Ok. Ensuite, ça veut dire que là... Oh, quel enfer. Là, is ok. Et là, toi, tu veux venir ici, donc tu viens là. Mais je comprends pas pourquoi il y a des camions. Ah non, si, c'est bon. Lui, il a le droit. Et ici, eh ben, ça va venir là. Et toi, tu continues sur ta gauche. Sachant que lui va venir là. Mais non. Con. Lui va venir là. Et le service, bah lui, il peut prendre les trois, par contre, pour le coup. Ok. C'est bon, ça fluidifie déjà l'autoroute. Et là, oui, tout à fait, Galeros. Il faut rassurer les nouveaux, toujours. À chaque fois que je regarde le jeu, j'ai envie d'y jouer, mais j'ai peur que ce soit un peu trop profond pour que je m'y mette à fond. Brest, t'es un joueur de FM. Donc, même si tu te dis, oh, le jeu est trop profond, j'ai peur de rien piger et tout, dis-toi qu'il y a plein de joueurs, de gens qui ne jouent pas à FM, qui pensent la même chose de Football Manager. Donc, tu es capable de le faire. Après, c'est le truc, c'est est-ce que ça va t'intéresser? Est-ce que tu auras envie d'aller au fond des choses? Ça, c'est encore autre chose. Mais en termes de capacité, techniquement, toi, tu peux. Je pense que FM est encore plus compliqué. Enfin, je pense, je sais pas. Si moi j'arrive à comprendre, tout le monde le peut. Eh ben en plus, regardez, en plus Galeros arrive à comprendre, donc oui, tout le monde peut. C'est quoi ce petit sourire de quoi? Ça dépend s'il perd tout le temps sur FM. Oui, non mais c'est après, oui, après il faut prendre du temps, c'est sûr. Est-ce que je vais m'intéresser, creuser un minimum, pour que ça m'intéresse, point positif, c'est que ça coûte moins de 5 euros, tout à fait. Tout à fait, Brest. Le jeu coûte pas cher, alors après... Le jeu de base, c'est vraiment pas la partie la plus compliquée. Enfin, en fait, les mécaniques... Là, moi, en fait, je joue beaucoup avec... Bah, tu vois, je joue avec ça, par exemple. Bon, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est un mode, tu vois. Et Human Simulation, bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Mais en plus, il y a un tuto. T'as tout à fait raison, Chibao. Et si tu démarres avec juste le jeu en vanilla,
tu vas y aller tranquillement. Ensuite, tu auras envie de prendre un, je sais pas, un DLC sur Green Cities, par exemple, tourner un peu plus sur l'écologie, un sur campus, un sur les transports, enfin voilà. Tu peux y aller vraiment petit à petit. Là, j'ai l'intégralité des DLC. Donc, il y a déjà tout. Chose que tu n'as pas forcément dès le départ avec le jeu en vanilla. Donc il est pas au départ, il est moins compliqué quand même. Il y a des modes à gogo. Ah bah ça, les modes, il y a... Alors, j'ai pas de chiffres, hein, bien sûr, mais je pense que c'est une des communautés de modeurs les plus actives sur qu'on puisse trouver, quoi. Je pense, en tout cas, il y a une richesse et une diversité assez ouf, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont malades. Comment ça? Mais il y a un hôpital pas loin. Ah, il est un peu loin, mais... Bon, les petites cliniques, quoi. Oh, on a un crématorium. L'énergie thermale est le moyen moderne de traiter les morts. Thermale? Est-ce que c'est vraiment la bonne traduction? Thermale, moi, ça me fait penser à de l'eau. Crématorium, il me semble que c'est pas le plan. Hein? Disons que niveau de l'eau, c'est pas... Voilà. Allez, on va foutre un crématorium ici. Ce qui tient, non. Ce qui tient, non plus. Ah, on va le mettre là. Ça fait sauter quoi? Ça fait sauter quoi, là? Ah, c'est un chemin. Oh. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Est-ce que là, ça le fait sauter ou pas? Non. Hop, petit crématorium. Ok, il va chercher une personne décédée. Elle est où? Ah, elle est morte ici. Terrible. Ah, elle n'apparaît même pas, son icône n'est même pas présent, mais elle est bien là. Il noie les corps, en fait. Oui, c'est ça. Le jeu de base est déjà très complet. Oui, carrément, mais il est moins compliqué. Enfin, il est moins compliqué dans le sens où il y a moins de détails, en fait. Attendant un IRL a critiqué son chat en disant qu'il allait finir par être pire que le tien. Quoi? Jamais. C'est moi qui ai le pire chat de tout Twitch, ok? Jamais, mini chouette. Si un jour tu vois ce clip, si quelqu'un clip ce moment, jamais tu n'auras le pire chat de Twitch. C'est le mien, c'est ici, ok? Thermal dans le formol. Oui, ça. Ça peut être que thermique, le terme adéquat. Bah thermique, ouais, mais... Ah, petite erreur, hein. Petite erreur, moi je vais écrire... Je vais écrire au développeur du jeu. Rembourser. J'ai trouvé une erreur, ça va pas du tout. Ça se tient qui noie les cordes à la rivière à côté. Non, la flemme de clip. Ah bah voilà. Voilà, super. Super. Voilà, bah encore une preuve que ce chat Twitch est le pire chat de tout Twitch. Les mecs ne veulent même pas clip. Terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais c'est bon, j'avais déjà réglé les trucs de route ici, ça va quoi. Bon, vous par contre, il y a un problème. Il y a clairement un problème. Alors déjà... Attends, petite pause. Déjà, c'est obvious que dans cette ville, vous mangez trop. Bon, alors vous mangez pas des bons anti-insectes, mais des hot dogs, il y en a trois à la suite. Des donuts. Ça va pas. Là, non. Grève des clés. Est-ce qu'on peut jouer en multijoueur? Non, 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 il n'y a pas de multi, Brest. Allez, les gars, on va sur FIFA, yes. Du poids du jeu, c'est pas possible. T'as pas modélé les véhicules? Si, 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 si. Mais pas tous. Pas tous. J'ai quand même quelques Lada. Enfin, c'est des Volga, quoi. C'est des véhicules soviets. Mais pas tous, hein. J'ai laissé quand même la possibilité d'avoir... Tu vois, j'ai des Moskvitch, etc. J'ai quand même laissé les voitures de base, genre voiture de sport et tout. Ça, je l'enlèverai au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure que l'esprit révolutionnaire va gagner rétrograde, bien sûr. J'ai modé quoi aussi? Les véhicules de service? Enfin, j'ai modé. J'ai rien modé du tout, moi. Je suis pas modeur, je sais pas faire. Donc les bus, alors voiture de flic et ambulance, en vrai j'en ai qui sont modés, mais celles-ci ne le sont pas. Mais là on a quoi là? Gaz police, voilà, ça c'est la police russe. C'est des vrais trucs, hein. C'est dégueulasse. Hein. On dirait un truc des années 70, quoi. Shnabi valide le clip de partenariat. Yes, parfait.
Deliveroo et Uber Eats rentables à Rétrograde. Mais clairement, mais d'ailleurs, bon, alors on le sait pas, mais je vais vous apprendre quelque chose peut-être, mais Uber Eats a été fondé à Rétrograde, justement. Une centrale thermique à flamme produit l'électricité à partir de la vapeur d'eau produite grâce à la chaleur dégagée par la combustion. What? Attends, c'est-à-dire que ça produit... Oui, mais ça produit pas d'électricité, en fait, le crématorium. En vrai, ce serait drôle. Enfin, non, enfin, je pense que les gens, ils aimeraient pas. Imagine pour expliquer à ton gosse, quoi. Papa, ça vient d'où l'électricité? En fait, c'est papy. Il est en train de... Bref. Salut Parfa, comment vas-tu? Avec ce clip, ça sent le partenariat avec Apple ou Samsung ou les deux. Pas Apple, pour moi, c'est chiant, Apple. Je suis pas très Apple, moi. Trop de donuts égale trop de police. C'est vrai qu'en même temps, putain, c'est ça, en fait. Il y a trop de policiers. Du coup, l'approvisionnement en donuts... Ben non, ça va, en plus. Il y a quoi? Il y a trois trucs. Ouais, en même temps, ça bouffe. Hein. Ça bouffe au commissariat du coin, quoi. Ouais, oui. Alors, cette ville... Eh ben, écoute, ça se développe tranquillou. On a fait nos premières lignes de bus. Et pour limiter les embouteillages, alors là, c'est encore toujours embouteillé, mais putain, mais j'avais réglé ça. Oh, je crois que j'ai créé un monstre. Oh, mais... Là que ça bloque. Ok, mais pourquoi vous laissez le passage? Parce que c'est là que ça bloque. Là, vous avez la prio, mais pourquoi vous bloquez, du coup? Ok, c'est ici qu'on doit faire quelque chose. Tu veux aller ici, tu viens là. Et ici... attends. Toi, tu viens là. Ok. Toi. C'est ici. Et là. Ok. Et toi. Là. Et là. Donc ça veut dire que ceux qui veulent partir d'ici vont forcément passer par le truc du milieu. Qui pour l'instant est complètement vide. Ok, c'est pas déconnant, je pense. T'auras le partenariat quand t'auras pour certains viewers qui pourraient faire gagner un Apple. Oui. Vire le stationnement des voitures sur ce rond-point. C'est vrai que j'ai pas viré les stationnements de bagnoles. Donc ici c'est bon, là c'est bon. Est-ce que là ils peuvent se garer? Ouais, il y a des facilities quand même. Mais on enlève. Après tout, c'est rétrograde, c'est pas la liberté totale non plus. À mon avis, ce sera plutôt un téléphone à cadran avec oreilles de Mickey. Très très bien les oreilles de Mickey. Qu'est-ce que vous avez contre les oreilles de Mickey, enfin? C'est très beau. Ton rond-point fonctionne moyen, les gens sur le rond-point devraient avoir la priorité sur tout le rond-point. Bah c'est ce qu'ils ont, logiquement. C'est ce qu'ils ont. Tu regardes ici. Priorité. Priorité. Ouais, alors là, pas priorité, mais du coup, ici, il n'y a personne qui passe, en fait, donc... Tiens, mais je voudrais désengorger là, quoi. Le truc, c'est que personne va à la Syrie pour l'instant. Mon premier téléphone aussi lourd que moi. Oh putain, les vieux trucs à l'époque, c'était fou. Le bouchon immense. Ah mais le bouchon est incroyable. C'est-à-dire qu'il commence même à empiéter ici, quoi. Oh. Ah oui, petit problème là. Gros problème même. Oh là 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 là. Il faut que je fasse... Attendez, on va continuer les lignes de métro déjà. Continuons nos lignes. Non, mais non, c'est là, c'est pas les lignes, c'est les rails. Bon, là c'est dégueu, mais c'est pas grave. C'est du souterrain de toute façon. Ensuite, là, ça va revenir ici. J'en aurai pour combien? 13 000 balles? Non, on sait pas. Okay. « 142 unités, putain, ça coûte tellement riche !»
Ici, ça va rejoindre. Là, ça rejoindra. Ici, ça viendra là. Et là, ça viendra là. Ok. Tu devrais améliorer ta bretelle et la mettre en deux, voire trois voies de circulation. Pas faux. Si vous savez la différence entre la version de base et la version de luxe. Y a pas un DLC qui est dans la version de luxe? J'écris Ronaldo, ça met 3 points, on va sortir le résultat, y'a que moi à qui ça le fait. Eh ben je sais pas du tout qui. Alors je n'ai pas encore joué. Attends, j'ai joué depuis la mage? Bah si j'ai joué, je suis con. Mais si j'ai joué. J'ai pas fait gaffe, Guigui, ça m'arrivait. C'est pas rétrograde, c'est saturograde, oui c'est ça. Y'a un feu sur ton rond-point, on dirait, je crois que c'est ça qui bloque. Un feu? Comment ça y'a un feu? Non, c'est de la direction là. Là, il y a de la direction. Là, pareil. Non, non, c'est les directions en fait. C'est pas un feu, hein. Je sais pas pourquoi ça bloque comme ça. Le politicien, il cache le problème sous le tapis. Je vais bien, tout va bien, ça. Pourquoi il s'arrête ces cons-là? Mais oui, on est d'accord, c'est fou. C'est fou. Attends. Ils ont la prio partout. En fait, si, je crois savoir. C'est parce que là, il y a une sortie directe. Ah, mais c'est là où il y a un feu, en fait. Ah, mais oui, d'accord. Je crois que c'est là. Je crois qu'ici, ça va résoudre des problèmes. Ça va peut-être pas tout résoudre, mais ça va en résoudre. Parce que là, ils sont obligés de s'arrêter, vu qu'ici, c'est lock. Donc en fait, c'est vraiment devant qu'il faut débloquer le truc, là. Là, on leur met un stop. Donc pour l'instant, ils vont être bloqués pendant un sacré bout de temps, le temps que tout le monde découle, mais... Sinon, on fait de la circulation. Oui, non mais, oui, mais ça pourrait, mais bon. On recommence à zéro le rond-point. Oh, bah non, mais là, il est bien, là, le rond-point. Il est parfait, ce rond-point, non? Il est pas parfait, mais non, bah non, non, pas à zéro. Non, mais regardez, c'est déjà beaucoup plus fluide, là. Enfin, un peu plus fluide. Ça se voit pas encore, mais c'est de l'accordéon. C'est de passer ta bretelle à trois voies. Ouais, mais c'est pas ça qui... Enfin, oui, oui, je suis d'accord. Mais en fait... Attends. Alors, attends, déjà, on va faire un truc. Il y a un autre truc à faire. C'est que ceux qui doivent aller à la Syrie doivent se mettre sur les deux voies de gauche, jamais sur la voie de droite. Non bah c'est con, t'es teubé d'arbichon quoi. Ne répondez pas à cette question, hein, bien sûr. Vous serez ban pour 8000 ans. Là hop. Et hop. Ok, donc ici c'est bon. Là c'est cette intersection là. Vous. J'ai quand même très envie de vous dire... Ah ouais, mais non, je peux pas. Parce que ceux qui arrivent de là sont pas forcément... Putain, il faut que je la passe à trois voies, du coup. Est-ce que Galoros avait raison? Incroyable. C'est acheté à cause de toi. Oui, j'ai influencé quelqu'un. Oui, yes. Bichon l'influenceur, oui ça. Non, celle du rond-point. Attends. Ah, celle-là, tu veux dire, ici? Bah ouais. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Je vais faire ça. On va faire du 3-3, là, avec des petits arbres. Ici, c'est les arbres, hein, toujours, vous savez. Oui, non, mais par contre, voilà. Espace déjà occupé. Ah. Oh non, je peux pas. Putain, ça circule vite, là. Oh là là. Ça va, hein. Donc c'est là, en fait, que... Attends, faut que je la passe en... Voilà. Hop.
Hop. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que là, il y a ça. Attends. Attends, on va faire un truc. Là, on a ça. Et là, ça, ça vient. Laisse comme ça, c'est bien. Non, non, mais là, c'est le pont qui m'emmerdait en fait pour pouvoir faire une route ici comme je veux, à trois voies. Là, ça, je le remets droit après, vous inquiétez pas. Si tu fais deux routes, ça fait une biroute et là, c'est obscène. Yes. Fais un truc comme ça. Putain, j'arrive pas du tout à voir ce que tu veux dire, Galo. C'est terrible. C'est terrible. Non, non, mais vous inquiétez pas là. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mais ça va bien se passer. Ça se passe toujours bien, vous le savez. Donc là on fait ça. On m'a dit que là c'était du quoi? C'est du 1, 2, 3. Ah mais c'est du 6 voies, c'est trop. Non, c'est pas trop. C'est jamais trop. Par contre pour la sortie, pour l'instant c'est un peu trop. Mais tant pis. Ouais, mais en fait je fais ça, c'est bon. Là, is ok. Et là, is ok. Ça a peut-être déjà aidé. Bon là, pour l'instant, c'est dégueulasse. Ça va là?
Franchement, ça va, non? Fais ce travail que tu es sur une pompe, tu aurais pu faire une ligne droite. C'est vrai. C'est pas fou. Ouais, c'est pas faux. Tiens, on va faire une ligne droite, t'as raison. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc là, le temps que tout se vide, hein, bien sûr. C'est pour une vieille route, tu fais un truc comme ça. Pour éviter que ça fasse. Au secours. Ça, là, j'ai compris. Ok, ah putain, il faut refaire tout du coup pour qu'ils se mettent bien. Putain, mais c'est vraiment des teubés, hein. L'IA sur ce jeu est débile. Mais genre littéralement. C'est incroyable. Incroyable. Con comme ça. De... Il y a 6 voies, les mecs se mettent tous sur une, quoi. Déjà, priorité à là. Pourquoi? Non, non. Non, j'ai rien dit. C'est pas ça, c'est ça. En fait, vous allez tous venir là pour l'instant. Ok. Donc là, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici. Là, c'est bon. Et en fait, c'est là. Oh, putain, mais il y en a encore. Mais il y en a partout. Et c'est donc là, voilà. Donc toi, tu viens ici. Toi, même chose. Ensuite, toi. Alors c'est là qu'on risque d'avoir des embouteillages. Sur cette ligne que je suis en train de faire à l'instant, la ligne un peu saumon là, c'est là où ça va faire chier ceux qui viennent de la Syrie. Mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. Oui, bah c'est bon. Ouais. Si tu fais littéralement, certain que tu concrétises pas. En gros aussi, ça dépend. Je vais parler de mon week-end. Non, pardon. Si, ça peut, hein. Ça peut. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Putain, mais à l'aide. Quel enfer. Attends, déjà. Toi, là. Toi, tu peux venir sur les deux. Déjà, ne sois pas bête. Ah, mais là, ça repasse à une, en fait. Ah, le con. Ah, mais c'est pour ça. Ah, je pensais que c'était à deux tout le long, en fait. D'accord. Alors, elle est où, la sortie d'autoroute? Où quelle est la bretelle? Ah, la bretelle, elle a qu'une voie. Donc, ça veut dire que là, il faut que je fasse une... Attends, je comprends pas le truc là. Pourquoi? Pourquoi c'est en deux sens? Et moi je passe à côté, oui, ça va. La sortie, t'es assis de sortir, oui, yes. Voie à sens unique. Ouais, ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse, ouais. Les bretelles, c'est deux voies, sinon c'est une ceinture. Putain, mais t'es en forme, Elchie. J'aime ce. Donc on va repasser comme ça en fait. Non mais, non mais oui, mais l'eau
l'autre sens, débileman. Non, mais c'est la même. Je viens de refaire exactement la même route, donc. Route à deux voies, sens unique. Ok, c'est bon. Ok, he's ok. He's ok, il y a deux voies, c'est bon. Ok, ma... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Quel con. Ok, là, maintenant, on va pouvoir... Putain, mais ça ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien du tout. Là, les deux peuvent sortir ici. Ok, ici, ça vient là, d'accord. Là. Is ok. Est-ce qu'on a un truc encore en dessous, ici? Non, c'est celui du dessus. Ouais. Quel enfer. Quel enfer, les amis. Et donc là. Voilà, ici. Allez, on en fait un quand même. On est gentil. On en fait un qui vient là. Et le vert, il se cale ici. Et là, logiquement, tout va aller plus vite. Alors, pour l'instant, c'est pas évident. Mais vous allez voir. Par contre, je perds des habitants. Ça va, globalement, j'en ai gagné, mais... Pas ouf. Pourquoi ils se mettent pas sur la deuxième voie? Alors les flics, eux, ils prennent la deuxième voie, ça y a pas de problème. Là, ça y va, ouais, ouais, c'est rapide. Bon, là, c'est bloqué, par contre. Il va où? Il va ici, d'accord. Et je venais de là, oh, quel enfer. Continue la ligne de métro. Always the lines. Ici, ça part, ça vient là. Ici. Ok. Ouh, on a bientôt fini le métro. 45 000 balles. Allez, plus que 9 000 balles et on a fini le métro. Enfin non, bah non, je suis con, il manque ça. Presque, en tout cas on a presque terminé ce métro. Oh là là, et là ça a cramé et ils sont encore pas venus. Hein. Mais qu'est-ce que vous foutez les pompiers? Faut peut-être que j'augmente le budget en fait. Il y a peut-être pas assez de... Et oui, il y a peut-être pas assez de pompiers en fait. Tout simplement. Bon là, ils font leur petite vie, c'est pas mal. Par contre, je manque d'habitation, c'est criant. On va la faire là. On va faire un truc qui monte un peu. Ok, il me faut de l'eau. I need water. Et donc maintenant, des habitations. On va faire du grand ensemble là, encore. On va en faire où? On va en faire là déjà.
Ok, là on va faire quoi? On va faire du petit magasin. Et là, 2-3 trucs de bureau, voilà. Les universités à apporter de la jeunesse dans ta ville, car tu me dis si bien, si tu perds des habitants, mais globalement t'en gagnes. Alors ça va, exactement. Non, de toute façon on fera une zone campus, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais je pense qu'on aurait un campus. Alors là on avait dit qu'on aurait un goulag, ici, à cet endroit-là. Et un campus, je sais pas où on pourrait le faire, le campus. Bah là, genre, à côté de la ligne de chemin de fer, ah non, c'est moche. Ici, en haut à droite. Ici, ça pourrait être une zone campus, à terme. Alors, qu'est-ce que ça raconte? De la merde. Rien n'a changé, quoi. Ah, il faut peut-être que je refasse les priorités. Ah bah oui. Donc là, on peut laisser le passage ici, il n'y a pas de problème. Et là, prio. Est-ce que ça aide un peu? Non, il s'arrête toujours et il se trompe de voie, quoi. Lui, mais qu'est-ce que tu foutais au milieu? Je ne sais pas. Allez, le métro. Ici, c'est validé. Et ici, il manque combien? Oh, 20 000 balles, plus de 20 000 balles. En construisant des moulins, on n'use pas non plus. Attends que je sois là pour faire souffrir. Ça marche, le tchè. Donc là, on va vraiment avoir un métro qui fait le tour de la ville. On va lui mettre un... Comment on appelle ça? Un budget vraiment conséquent. Tout en faisant que, à un moment, on aura quand même des lignes internes. Genre là, entre Gagarine et Quartier Rouge. On aura une ligne directe ici. Et d'ailleurs, je me demande si on va pas la faire dès maintenant. Et je crois qu'il faut les faire dans les deux sens. Je crois, il me semble, je suis pas sûr, il faudra que je vérifie. Allez, le métro qui est bientôt terminé. Ça coûte tellement cher. Honnêtement, je pensais pas que ça coûtait aussi cher que ça. Est-ce que ça fait de la pollution sonore, le métro? Même pas sûr. Alors, sur le prochain stade, on pourra avoir centrale solaire, ça c'est bien. Échangeur bus métro, ça c'est très très bien. Installation de transfert de déchets. Ok. Là c'est pas mal aussi. Ah, les zones campus, c'est pas avant 34 000 habitants. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Yes. Le métro est relié. Oui. Yes. Ça y est, la première ligne de métro est ouverte, les amis. Ah, elle est où? Métro. C'est où? C'est là? Non, c'est là. Cette ligne métro, nous allons l'appeler la ligne... Comment on va l'appeler? La ligne... Alors, le métro Moscou,
On sait qu'il est magnifique. On sait à quelle époque il a été fait, malheureusement. Enfin, on sait à l'époque, quelle époque il a été fait. Donc, ça s'appelait la ligne. Voilà. Il faut respecter le lore. Maintenant, la question est. Est-ce qu'elle va être utilisée? Elle est où, ma bouche de métro? Elle est là. Passage d'éjaculation dernière 13, d'accord. Donc les transports, on a dit que c'était là. Aperçu des lignes. Métro, une station. 7 arrêts, il y a 3 véhicules, 8 passagers pour l'instant. C'est pas encore rentré dans les mœurs, le métro. Hein. Ça va arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc là, je vais regarder, est-ce qu'il y a moyen? Quoi? Et non, il n'y a rien moyen du tout. Mais non. Mais non, c'est-à-dire que si je relis les deux là? Pourquoi ça pourrait pas? Ah, c'est parce que c'était que dans un sens, peut-être. Je sais pas. On va regarder. 24 000 balles. Ok. Bon, là, ça s'est déjà vite construit. Et on a encore besoin d'habitation. Putain, mais tout le monde veut venir habiter à Rétrograde. Ça, c'est grâce au métro, ça. Ça, c'est sûr. Ok. Il nous faut de l'eau. Donc là, on est bien. Là, on est bien aussi. Il nous faut juste un petit truc. Ici. Le moins cher, c'est là. Ok, on va refaire des habitations normales. Ici, c'est un quartier doux, on le rappelle. Donc là, on a ça. Ici, on va avoir ça. Idem là. Bon, niveau électricité, on est très très bien. Vraiment, on a de la marge. Ok, donc là... Pourquoi? Pourquoi je pouvais pas faire de nouvelles lignes? Parce qu'il me faut un arrêt entre les deux, peut-être. Mais pourquoi ça passe par en haut? Je crois qu'il me faut un arrêt entre les deux. Ah putain, le coup. Oh, j'ai claqué de l'argent pour rien, je crois. Eh ben, tant pis. C'est pas grave. Donc, on peut supprimer cette portion-là. Ouais, c'est là, je suis allé trop vite en fait. Donc là, is ok. Là, is ok. Même chose. Là, j'ai pas encore assez d'argent. C'est bon, tu peux exterminer la population. Yes, parfait.
C'était complètement dans mes plans en plus. C'est-à-dire que là, on les ferait bouger comme ça. On pourrait limite. Putain, mais c'est-à-dire qu'un arrêt peut pas être multiple en fait. C'est de la merde. Pourquoi un arrêt peut pas être multiple? Dans mes souvenirs, il pouvait. Il y a un truc que je fais mal, mais je ne sais pas quoi. Bref. Nouvelle ligne. Et pourquoi il passe par le côté là-bas, enfin? Oui, merci Michel. Pourquoi il fait tout le tour? Je comprends pas. Je comprends pas le truc en fait. Pourquoi? Quand tu n'as rien, non pas une réplique, c'est une partout, c'est tout, je ne l'air pas, oui, c'est vrai. Normalement, c'est dans les deux sens, bizarre en effet. Bah ouais, on est d'accord. Il y a un truc là. Il y a un truc. Putain, mais. Toujours plus, quoi. Peut-être parce que ça coupe la boucle en deux, en fait. Putain, mais alors, paye ta ligne, quoi. Si tu veux aller. Tu vas aller de là à là, tu fais tout le tour de la ville et tu reviens après, quoi. Peut-être que c'est trop proche, peut-être que. Je sais pas. Regardez, je peux même pas cliquer en fait quand je vais ajouter un arrêt. Je pense que c'est parce que la ligne est. Enfin la. Bon bah tant pis, ça fait une ligne qui fait une petite boucle. Pas très utile. Mais bon, j'ai pas envie de gâcher ce que j'ai construit. Mais c'est quoi ce truc? Donc là, ça repart en haut pour revenir là. Et je peux pas terminer la ligne. Ok. En fait, ouais, d'accord. Ça fonctionne par boucle, j'ai l'impression. Mais t'as bien du côté droit ou gauche de la voie. Oh, mais dis pas que c'est juste ça. Attendez, je les supprime. On va les supprimer, on va refaire. Alors. Mais j'ai même pas de côté gauche ou. En fait, j'ai qu'un point, quoi. Là, j'ai qu'un point, j'ai même pas de côté gauche ou droit. Mais je clique. Terrible. Bon bah tant pis. Tant pis. Allez hop. Voilà, ils feront le tour de la ville. Pourtant les Sony, on peut aller dans les deux sens. Mais en fait ça va dans les deux sens, mais ça peut pas se chevaucher. Enfin c'est bizarre. Attends, est-ce que si je fais un souterrain plus profond que le souterrain précédent, du coup la ligne passe en dessous, donc ça peut. C'est pas exclu. Tu vas aller de là à là, tu vas à pied, mais attends aussi ça. Est-ce que les entrées et sorties de gare sont pas un peu trop raides en termes d'angle? Ah, logiquement, c'est pas un souci, hein. Tu vois, là, par exemple, là, c'est super raide. Là, pareil. Ici, même chose. Non, normalement c'est pas. Normalement c'est pas. Ici là c'est chaud. Normalement c'est pas un problème. Je ne sais pas. Alors ça c'est con.
Oh, j'avais un immeuble avant là. Et du coup, j'ai un élément de propagande qui flotte dans l'air. Ah merde. Allez, alors, comment je vais le rechoper maintenant là? Comment je vais. Il est là. Paf. En fait, il faudrait que je voie pour passer la ligne en dessous. Je veux dire, commencer trois fois ma partie en une heure, chaud de gérer l'argent, de construire trois routes, ça te prend la moitié du budget de départ. Ah ouais, non mais, c'est, ça peut être... voilà, mais c'est en se trompant qu'on apprend et qu'on progresse, surtout. Hein. Ce panneau qui vole le communisme, c'est magique. Le marxisme-léninisme donne des ailes. C'est un peu l'ancêtre de Red Bull, quoi. Oh, regardez, oh, on n'avait pas regardé depuis longtemps là, avec cette sombre histoire de métro. Un problème en chasse un autre. Regardez, nous n'avons plus de problème. Bon, à part là, non, regardez pas ici, attendez. Hop. Regardez, nous n'avons plus de problème sur l'entrée sud de la ville. Incroyable. Ça marche, Paulal, bonne nuit, à bientôt. On va couper la VOD ici d'ailleurs, hein, j'y pense. Très très longue VOD là du coup. Combien de temps elle a duré celle-là? Oh putain, presque une heure et demie. Bon, à bientôt YouTube. On a fait un métro. C'est bien, on a réglé les problèmes de trafic. C'est bien, enfin de trafic. N'appelle pas Gérald Darmanin, on n'a pas tout réglé encore, mais on s'en occupe. Bref, si toi aussi tu fais des métros et tu fais du trafic... Non, et tu règles des problèmes de trafic, dis-le moi dans les commentaires, mets un pouce bleu et abonne-toi. À bientôt, des bisous.